fait la boîte à musique? Non, ben nous voilà. Ah! Alors on est vraiment désolé, il y a une petite coupure, un petit problème de réseau, mais ça y est, là c'est réglé. Allez, on vous laisse revenir sur le live et on reprend tout ça. On est arrivé sur la boutique, donc 3-2-1 jouets à Amplepuis. On est avec Géraldine qui est juste derrière moi et on commence tout juste la visite. Alors on va reprendre un tout petit peu les univers. Elle nous expliquait donc qu'ici elle en avait pour tous les âges, tous les budgets. Et ben voilà, on a commencé avec les tout petits. Et il y a plein de choses à découvrir. Allez, on partage cette vidéo. On est navré pour la perte de connexion, mais on est de retour. Et on est ensemble pendant une demi-heure. Allez, on like, on pousse, on partage, on y va. C'est parti. 3, 2, 1. Jouer. Alors, tu nous montrais. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir juste avant la coupure. Du coup, elle nous montrait le petit coup de cœur. C'est la petite boîte à musique qui fait plaisir. Regardez bien. Voilà. Est-ce que toi, tu tournes comme la boîte à musique? Voilà, c'est ça que je voulais voir. Je peux, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc là du coup, voilà, plein de modèles, de la licorne, de l'elfe, de la danseuse, la petite fille avec une pomme, tous les tarifs, toutes les musiques. Après, vous avez tout ce qui est boîte à musique pour bébé, hein, pour les endormir, voilà, avec les petites coccinelles. C'est mignon. Voilà, petites coccinelles. Oh, mais elle danse en plus, c'est génial. Bien sûr, les tirelires. Voilà, on va aussi avoir les petites poupées musicales. Alors si je les mets toutes en route... ça va faire de la musique. Voilà, ça va faire de la musique. Juste celle-ci, parce que celle-ci, c'est pareil. Hop. Ah, bah non, ah, il faut pas. La remonter un peu plus, du coup. Peut-être, voilà. Je voulais pas que ça dure trop longtemps, mais... Voilà. Voilà, c'est avec, génial. Voilà. Mon gros coup de cœur en termes de jeu pour les enfants, ça va être toute la gamme Smart Max. Ok, ça c'est des jeux à aimants, c'est ça? C'est des jeux à aimants qui sont homologués à partir d'un an, voilà, et qui sont du coup très évolutifs, parce que dans un premier temps, bah, la chose qui va les intéresser uniquement à un an, ça va être de comprendre l'attraction. Alors moi j'ai bien compris l'attraction, hein, voilà. Pas de problème. Et après, une fois qu'on a compris l'attraction, on va s'amuser à construire des choses, et plus on va grandir, et plus on va construire des choses intéressantes. Là, par exemple, c'est le totem. Le totem, en fait, c'est un petit jeu où on va essayer de recopier les petits challenges comme demandé. Allez, Tommy, est-ce que tu vas arriver à nous faire, on va en faire un vite fait, celui-là? Ah ouais, mais attends, il m'en manque un morceau. Tu ah bah, j'en ai là. Alors, voilà, fais-moi voir celui-là. Faut que je le fasse rapidement, c'est ça? Ah ouais, voilà, le plus vite possible. C'est, du, plus niveau, vite possible. C'est du niveau attends, un an et demi. Hein. Attention. Likez. J'essaie de faire le mieux. Hop. T'inquiète, s'il n'est pas mis dans moi, le je pense bon que sens, t'es pas dans le bon sens, là, déjà. Ah ouais, non, c'est pas facile, là. On est au niveau un an et demi. Exactement. Ah ouais, voilà, non, mais c'est pas le bon du tout, en fait. Ah ouais, mais d'accord. Et le premier qui se moque sur Facebook de ce que je suis en train de faire, je vous garantis, je vais vous bannir de la page à tout commerce. On est bien d'accord? Ok, alors, encouragez-moi, mettez des likes, mettez des pouces, là. Et c'est que le début. Alors, je pense qu'il faut que tu retournes la base. Ah ouais, voilà, déjà, okay. Pour commencer, il y a des nuances. Ah, ça y est, regarde, ouais, ça y est. Ah non, attends, celui-là, il se colle à celui-là. Non, mais aussi, c'est pas drôle, il se colle entre eux, les trucs, là. Franchement, il n'y a pas de la vue. En une demi-heure. Bah, finalement, on va peut-être passer à autre chose, parce que... Bon, du coup... Tu vas en poser là. Voilà. C'est pas pour Tommy. Oh, voilà, non, enfin... Voilà. Donc là, voilà, dans cet univers, on a du totem, des voitures, des animaux, du tracteur, du train. Tout est compatible, les gosses, ils adorent, enfin, voilà. Moi, ce que j'adore, alors ça, je connais parce que moi, je peux en parler. C'est ça. Parce que mes deux petites demoiselles l'ont à la maison. Elles arrivent de chez toi. C'est ces petites veilleuses, voilà, qui sont extraordinaires. En plus, elles sont super douces. C'est super sympa. Voilà. Moi, j'en ai une. Elle s'endort avec dans les mains. Ouais, bah ça m'étonne pas. Ouais, voilà. Donc, elles ont beaucoup d'avantages. Hein. On peut régler la couleur, télécommande, la luminosité. Et le deuxième avantage, c'est que c'est rechargeable par câble USB. Tout voilà, à fait. Donc au niveau durée de vie, on est vraiment sur quelque chose de sympa, c'est très réconfortant. Et en plus, ils sortent plein de nouveautés, hein, parce que je pense que tu n'as pas connu le koala. Ah non, pas du tout. On a le petit koala, on a le petit lion aussi qui est sorti, la petite licorne, le dinosaure pour les petits garçons, voilà, qui est rigolo. Donc voilà, une collection qui est en constante évolution, voilà, le petit train, le camion de pompiers.
J'essaye d'avoir... Non, ça, c'est des produits vraiment sympas. Et c'est pareil, ça fait partie des produits que je suis vraiment tout le temps, parce que c'est... voilà, c'est, je l'ai... Bon, n'hésitez pas à poser vos questions et à mettre vos commentaires. Si vous voulez juste faire un petit coucou à Géraldine, allez-y, hein, tapotez. Hein, c'est maintenant, on retransmet tout ça en direct. Si vous avez envie de voir un jouet ou qu'elle vous explique quelque chose, allez-y, posez vos questions, c'est maintenant, n'hésitez pas. Aïe. On continue. Oh, alors, attends. On a une chute de dinosaures. Une chute de dinosaures. Voilà. J'en tiens. J'en tiens. Donc après, voilà, tout ce qui est peluche, alors des petites, des grosses, des marques, des pas marques. Enfin, j'essaye, voilà, d'avoir toujours du choix. Et après, voilà, du coup, moi, ce que j'ai beaucoup, ça va être beaucoup de jouets en bois. Hein, voilà, donc avec du puzzle magnétique à empiler, des petits trains. On va aussi avoir les grands classiques avec les duplos. J'ai aussi la collection ludique qui est très très bien. Alors pour tout ce qui est livre de bain, petite marionnette à doigts, enfin voilà, il y en a un petit peu de partout. On a aussi un peu de jouets électroniques. Mais voilà, du coup... Il y en a pour tous les âges, il y en a surtout pour, voilà, pour l'éveil. C'est vraiment pour beaucoup l'éveil. Pour on l'éveil, voilà. Je suis vraiment sur le côté ludique. Voilà, on me demande quelquefois des téléphones... pour les enfants, pour qu'ils jouent bébé. Bon, ils ont le temps d'avoir un téléphone quand ils seront ados. Non, non, puis, bon, il y a les grands classiques. Il y a les grands classiques, voilà. Il y a du la Sophie, petite Sophie, le grand voilà, classique. La Sophie. Après, si on a envie de faire un peu de musique, voilà, on peut faire un petit concert. Voilà. Allez, cadeau. Voilà. Petit chèque. Voilà, donc tout ce qui est musique, tout ce qui est puzzle... voilà, un tout petit peu de livre. Alors là, au niveau du livre, on va être sur du livre puzzle. Voilà, on peut aussi avoir les petits sacs à dos. Ça part toujours un petit peu dans tous les sens chez moi. J'ai un coup de cœur. Voilà. Oui, mais on sent que tu es encore une enfant en fait. Non. C'est juste ça. C'est juste ça en fait. Hein. Voilà, des petits. Voilà pour la rentrée. Sacs à dos pour la rentrée. Voilà. Pour la rentrée du mois de septembre. Un petit renard. Voilà, on a des. Des super petites choses comme ça, voilà, moi je craque totalement, bah oui, c'est, oui, c'est très difficile pour moi de choisir, très très difficile. Allez-y, hein. Likez, hop. Mettez des pouces, faites des partages, pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, on est en direct live depuis la boutique 3-2-1 Jouets à Amplepuis, on commence que la visite, hein. Vous allez voir, il y a encore plein de choses à découvrir, et je crois que ça va être ma fête en plus tout à l'heure. Allez, on continue, venez. Tu as eu un petit avant-goût là, mais c'était soft encore, je pensais pas que tu serais déjà en difficulté. Alors après ici donc il y a tout ce qui est dans l'univers du dinosaure, hein. On a des petits garçons, ils sont fans du dinosaure à creuser, du dinosaure en puzzle en bois, voilà, avec des petites figurines à trouver. Et puis pour les petites filles, alors là aujourd'hui j'ai un choix énorme en poupée corolle. Voilà, la poupée corolle. C'est la poupée qui sent bon. C'est la poupée qui sent bon, voilà. C'est vrai, voilà. Les poupées corolle. Que, même avec le masque, on arrive à sentir quand même la vanille. Ah, tout à fait. Voilà. Donc là, on a des super poupées. Voilà. Elles sont très belles, très réussies. Leur réputation n'est plus à faire. Voilà, donc j'essaye d'avoir un choix assez important dans tout. Donc, super. Voilà. Des petites, des grandes, après les petits accessoires en bois. J'ai aussi du loisir créatif. Alors, là, c'est en ce moment, j'en ai un peu moins. Ça doit arriver. Mais voilà, il y a tout ce qui est pâte à modeler, peinture, numéro d'art, pour faire des bracelets, pour faire voilà, ça peut être de la mallette à crayon, pour faire des créer ses boules de bain. Enfin voilà, il y a plein de petites choses pour occuper les petits loulous. Alors là, on arrive dans l'univers des un peu plus grands. Un peu plus grands, ouais. Là, on va dans les un peu plus grands. Alors, allons-y, on va faire le tour des un peu plus grands. Tiens, vous qui nous regardez, dites-nous quel est votre jeu favori en ce moment. Parce qu'avec le temps qu'il fait, je pense qu'on est tous à la maison en train de faire des petits jeux de société. Alors allez-y, mettez un petit commentaire, dites-nous quel est votre jeu du moment. Alors moi, le mien, en ce moment, il s'appelle Skyjo. Je vous le ferai voir tout à l'heure. Elle l'a ici, c'est un super jeu de cartes, c'est vraiment le jeu du moment. Allez-y, tapotez sur votre clavier, dites-nous quel est votre jeu du moment. Voilà, c'est comme ça, c'est pour savoir, c'est pour avoir l'échange. Et puis, aussi, n'hésitez pas à faire les coucou, hein. On y va. Ça marche. Allez. Alors, ensuite, on va dire un peu plus classique. Donc ça, c'est tout ce qui est petites choses, voilà, petites choses du moment, corde à sauter, billes, en fonction des modes à l'école. Voilà, on retrouve quand même pas mal de choses ici.
Là, j'ai mis tout ce qui était jeu d'imitation d'Inette. Ok. Voilà. Et en bas, tout ce qui est véhicule, alors des tout petits. Hein, les tracteurs. Ou des très gros. Oui. Voilà. Voilà. On a. Y a un petit peu de tout, un peu de partout. Certains clients disent que c'est la caverne d'Ali Baba, pardon. Donc voilà. Bon, on a Michael qui a répondu à la question. C'est Takocha. Alors, ne quittez pas parce qu'on va y venir au Takocha. Je crois qu'il est préparé. Hein, c'est ça? Un petit peu. Et le Takocha avec nous, hein. Éventuellement aussi. Mais je pense qu'on aura besoin d'aide d'ici un moment pour le Takocha. Bon, okay. Je te prépare quelque chose. Ça marche. Très classique, Playmobil, Lego. Hein, bah, voilà, du coup. Indémodable. Indémodable. Moi, j'ai toujours les miens, j'ai une grosse caisse. Voilà, rien ne vous plaît dans le magasin. La valeur sûre. Playmobil, j'allais dire Takocha. Takocha, non, on n'y est encore pas. Du coup, Playmobil, les Lego. Mais si on a envie d'un peu plus d'originalité, on a de quoi faire. Et là, j'ai Martine qui propose le Rami. Ah, le Rami. Très bien, très très bon jeu. Ouais, le Rami. Deux jeux de cartes et c'est parti. Voilà. Oh, des petites marionnettes. Bah voilà. Moi, en général, elles chantent. Elles chantent, les marionnettes. Moi, j'adore celle. Je sais plus comment ma fille l'a baptisée à la maison, la sienne, mais c'est plutôt rigolo. Voilà, donc les marionnettes, voilà aussi. C'est original. Moi, mes préférées, c'est, hop, c'est celle-ci. Non, mais on est comme des enfants aujourd'hui, hein. Rassurez-vous, on est en train de partir dans tous les sens. Le live, moi, il va durer 3 heures. J'adore. Voilà. Voilà. Regarde, on peut faire ventriloque avec les masques. Tout à fait. Hein, vous comment ça va bien, tout le monde? Un petit like, s'il vous plaît. Donc, voilà. Hop. Alors, il y a plein de choses. Il y en a encore. Et il y en a encore. On va faire le tour. Voilà. Je vais juste raccrocher ça. Oui. Voilà. Allez. Allez, ça marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, alors, l'univers d'Harry Potter. Un petit univers Harry Potter, voilà, avec du double, de la tirelire, de la figurine, du puzzle, le choix pot, du jeu un peu plus stratégique, un petit deck building pour deux joueurs. Voilà, donc là, c'est un peu plus sérieux, on va dire. Mais voilà, j'essaye d'avoir un peu pour tous les goûts. Mon autre coup de cœur, ça va être les livres de ma première aventure que j'ai démarré il y a 4 ans, okay, avec le dragon. Le dragon qui fait partie de mes préférés, celui que tu as dans les mains, il vient de sortir, il est sorti il y a, si je dis pas de bêtises, il y a 3 semaines. Ok. Il est déjà dans mes rayons. Donc voilà, donc c'est des livres qui sont, comment dire, on les offre à un enfant de 4 ans pour une lecture accompagnée, et dès qu'ils sont autonomes, jusqu'à 8, 9, voire même 10 ans, il s'éclate avec, parce qu'en fait, c'est un livre dont on a une mission à faire avec un des 3 personnages. Donc, on a 3 façons d'arriver à notre but. Là, par exemple, dans le mien, mon but, ça va être d'aller adopter un dragon. Pour ça, je vais partir à l'aventure avec un des personnages. Donc là, on est parti avec Sacha. Hein, vous voyez, les roues, elles bougent. Et du coup, je me retrouve à chaque fois devant 3 choix. Admettons, je décide de passer par là. Et là, je suis guidée. Si oui, je tourne une page. Sinon, je tourne 2 pages, etc. Je vais récolter des objets que je mettrai sur mes petits trous. C'est génial. Voilà. Génial, ça. Et on va continuer l'histoire. Ces objets, à certains moments, je vais devoir m'en servir. Hop. Donc là, on va y aller, le pilon de poulet. Hop. Je ne suis pas allée assez loin. Le pilon de poulet, on continue l'histoire. Et admettons, j'arrive ici et on me demande est-ce que j'ai le bouclier d'écaille sur ma roue jaune. Ah, dommage, j'ai rien. Donc du coup, je tourne 2 pages et là, je me retrouve avec un bobo. Donc je mets mon petit bobo et je continue mon aventure. Donc là, je vous la fais version accélérée parce que sinon, on en a pour un petit moment. Et à la fin, on arrive au dénouement. Donc là, est-ce que j'ai eu aucun bobo? Donc là, je compte sur mes 3 roues. Donc si j'ai eu aucun bobo... Alors là, tout se passe bien. J'ai réussi mon aventure avec Sacha. J'ai encore 2 autres façons de réussir mon aventure avec les 2 autres personnages. Si j'ai eu un ou 2 bobos,
Ah, c'est pas mal, mais le dragon me ramène sur son dos au village, mais j'ai pas pu l'adopter. Et alors, le problème, je sais pas si je vous fais voir, âme sensible, ça se tenir. Si j'ai trois bobos, le dragon me mange tout rouge. Ah, j'en étais sûr. Voilà. J'en étais sûr. Donc, qu'on arrive ici ou ici, le but, c'est de recommencer le livre, de faire d'autres choix. L'histoire n'est jamais la même. C'est génial. C'est génial. On en est au 6e livre, un 7e pour Noël. Ok. Voilà, donc le dernier, la reine de Chantefleurie, et on a plein d'univers, hein, donc là c'est du dragon, fabuleux. Dans l'espace, sous la mer, dans la savane, une petite course de voiture, et une abeille qui veut monter sa propre ruche à elle toute seule. Bon, vous voyez, voilà. C'est à retrouver dans la boutique, 3, 2, 1, jouer pour ceux qui viennent de nous rejoindre. On vous a posé la question, quel est votre jeu favori en ce moment? Quel est le jeu avec lequel vous jouez? Ça nous intéresse, allez-y, on attend vos réponses, maintenant. Alors moi, je veux bien répondre, c'est le Codename. Ah, le Codename. Un petit peu mon Alors jeu. Le Codename, tiens, il est là. On passe peut-être dans les jeux ou... Oh, moi je pensais faire un petit tour par les puzzles, parce que avant ma passion pour tous les autres jeux, j'ai aussi une grande, grande passion pour les puzzles. Alors en ce moment, j'ai le puzzle tendance du moment, le puzzle en bois, voilà, qui du coup au final a la forme... finale et qui au milieu a des pièces en forme d'animaux. Donc là, je vous fais voir. Donc voilà le lion. Mais hop, j'ai fait exprès pour vous le papillon. Voilà, en taille réelle. Vous avez le papillon une fois fini. Et dedans, vous vous apercevez qu'en fait, il y a hop, des petites pièces. Toutes belles, hein. Alors il y a des papillons, il y a des libellules, les pièces c'est tout biscornu, c'est voilà, vous voyez, c'est un vrai régal à faire, c'est pas facile, hein, mais c'est des puzzles qui sont magnifiques. Et là on est en train, je suis en train de faire un partenariat avec Ludobois, qui lui est en train de me tailler les plaques pour, sur mesure pour pouvoir coller les puzzles. Directement dessus. Ouais. Pour donc les mettre en valeur et les mettre. D'accord. Voilà, et là le papillon attend sa plaque avec la découpe au laser, comme Ludo sait bien faire. Super, voilà. Parfait. Donc voilà, pour les puzzles, on va dire originaux. La nouvelle collection est prête. Donc il va y avoir de la licorne, de lion très coloré, je sais plus ce que j'ai vu. Je pense que je vais bientôt me laisser tenter par une nouvelle commande. Voilà, mais c'est très très beau, c'est très plaisant donc à faire. Donc les puzzles, je sais qu'ils ont marché très très fort pendant la période des confinements, malheureusement, qu'on voilà. a vécu. Alors du coup, ça m'a permis, moi, de me faire plaisir. Donc du coup, mon rayon puzzle s'étend tout le long. Ah oui, effectivement. Sur deux étages, vous avez 15 000 univers. Ça peut être du Disney, ça peut être voilà, des choses très colorées avec hibou, une qualité exceptionnelle. Les puzzles avec des boîtes en triangle, c'est des humoristiques. Donc en fait, à chaque fois qu'on découvre une pièce, il y a des fois quelque chose qui nous fait rigoler. Du paysage, voilà, des collections de gâteaux, de papillons. Il y a un peu de tout pour tout le monde. Il y a de l'animal, il y a de l'artistique. Alors celui-là, à mon avis, pour le faire, avec toutes les couleurs, il y en a pour un petit moment. Hein. Moi, je pense plutôt à celui-là, en fait. Ah oui, oula. Et on est en 2000 pièces. Et en 2000 pièces. Et en 2000 pièces, voilà. Mais après, voilà, on peut avoir des choses, on peut vraiment dans le puzzle, il y a moyen de se faire plaisir, et on part dans tous les sens. Pour les passionnés de puzzle, voilà, vous avez le choix. Et en plus, si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur, je vous fais voir mes catalogues et je commande. Super. Voilà. Génial. Là derrière, on va être encore un peu sur du tracteur, un peu de jeu de construction. Mes deux dernières rentrées, ça va être les marques Placotte et Hedou. Donc là, on va être sur des choses, on va dire, très instructives pour les enfants. Voilà, apprendre l'heure, apprendre les lettres, avec tout ce qui est un peu méthode Montessori. Ok. Voilà, donc vous voyez, ma petite maison Montessori, le compteur d'histoire pour développer le vocabulaire. Et on va avoir la même chose avec Placotte. Alors là, on va être... sur des choses que en général les orthophonistes adorent. D'ailleurs, j'ai deux clientes orthophonistes, quand elles ont su que j'avais Placotte, elles m'ont dit c'est génial. Voilà. Ok, génial. Super. Donc, du coup, ça me conforte dans mes choix et c'est du très très beau matériel. Super. Voilà. Attends, mais ça m'intrigue. Je vois ça au-dessus, ça brille. Moi, j'aime bien ce qui brille. Alors ça doit être pour des passionnés de modélisme. Hein. Voilà, donc là, c'est de la maquette. Donc, on est sans colle, on est sur des choses qui sont serties.
Donc, tout est fourni dans le matériel. Hein. Vous avez aussi bien la lime que la pince, que les gants. Voilà. Et tout est magnifiquement présenté dans ces boîtes. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Et donc moi, je me suis amusée. Et en plus, ces modèles sont mécanisés. Ok, donc ça voilà, fonctionne vraiment. Ça fonctionne vraiment, ouais, avec les clés un peu comme les boîtes à musique. Parce que si je regarde celui-là, on dirait, oula, alors celui-là, on dirait c'est une horloge. Tout à fait. Et elle a un mécanisme de 1 heure. Bon, si vous avez de la patience, vous avez vu, pour vous, pour ceux qui ont de la patience, vous pouvez faire des petits jeux de construction comme ça. C'est du mécano, mais version 2021. Ah, c'est pas du mécano. Le mécano, il y a du vis voilà, et du boulon. Voilà, il y a du vis dans le mécano. Voilà, mais c'est pas de la maquette, parce qu'il n'y a pas de colle. Mais voilà, on est dans la construction, on est quand même sur des choses pour adultes. Voilà. Génial. Et puis, bah, on va finir par tout ce qui est jeux de société. Alors, jeux de société, ils y rentraient plus là-bas, donc c'est tout arrivé ici. Jeux de société des petits à partir de 2 ans. Jusqu'aux adultes, voilà, avec pour certains qui connaissent les blancs manger coco, voilà, avec ces jeux d'ambiance pour adultes, en passant par du Scrabble, en passant par des grands classiques. Allez-y, voilà. Hein, dites-nous quel est votre jeu de société préféré. C'est le fil rouge de ce petit live. On a envie de connaître et de savoir à quoi vous jouez ou à quoi vous aimez jouer. Alors, soit entre adultes ou avec vos enfants, c'est maintenant, allez-y, pianoter, on veut savoir. Voilà, et puis moi, je pense qu'on en arrive au moment où il va falloir que je te mette au défi. Ah. Moi, j'ai fait rentrer un petit jeu ou un gros jeu. Hein. La boîte est quand même assez grande, vous voyez les gobelets. Il s'appelle Bitzat, c'est le jeu de défi. C'est un jeu avec des défis complètement décalés. Qu'on peut jouer en famille, entre amis, en solo, en duo, en équipe contre équipe. Enfin, il y a manière de faire. Donc, j'ai sélectionné 3 défis parce que ça aurait été trop long. Bon, alors du coup, c'est moi qui m'y colle, c'est bah, ça pff, ouais, okay. Non, ce serait pas drôle si c'était moi. Bon, alors, je tire une carte. Alors, je peux la regarder? Allez, comment ça se passe? Je tire ça, ouais. Voilà, ok. Alors. Ah, je vais être obligée de jouer. Oh, le mince. Défi qui s'appelle le doublé. Les deux joueurs alignent 2 gobelets au bord d'une table. En les laissant légèrement dépasser. Voilà. Voilà. Donc. Allez. Donc là, du coup, on est en duel. Ok. Voilà. Donc okay. Toi, tu as tes gobelets. Okay. J'ai les 2 miens. Et à l'aide de pichenettes, le premier qui les met... Ah, voilà. Alors là, c'est pour moi, ça. Attends. Attendez. Je pose la veste. Je pose la veste parce que là, il y a du duel. Tin, 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 tin. Voilà, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie. Alors ici. Du coup... J'aime pas perdre. Moi non plus. Bon, allez-y, à ces moments. Qui va gagner? Ouais. Qui va gagner? Ouais, maintenant, pronostic. C'est maintenant. Qui va gagner? Est-ce que c'est Géraldine ou c'est moi? Allez-y, pianoter, on veut savoir. Lancez les paris. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, on est là. Ah, les deux en même temps. Ah, les deux en même temps. Ah, bah oui. Ah! Michael dit Géraldine. Ah! Ah! Mais c'est impossible! Regarde, ils parlent des internautes. On a Colette qui nous a dit que c'était le Scrabble. Oui, le jeu. Bon, alors là, pour l'instant, on est en train d'essayer de mettre des gobelets, de les retourner, mais alors, je crois qu'on va pas y arriver. Ouais, à mon avis. Ça va être compliqué. Sinon, voilà. À 2 heures, on... Ah, oh, Elle l'a fait. Voilà. Non, moi, si qu'on dise on abandonne, ça me plaît pas. Bravo. Bon, alors moi, je t'en avais réservé un, je trouvais ça pas mal. Je te laisse le découvrir. Alors, allongez-vous sur le dos, au sol, avec un gobelet retourné posé sur le front, et vous avez une tentative pour vous lever sans que le gobelet tombe. Allez, Tommy. Allez. Je sais pas pourquoi je viens faire ces vidéos, moi. Franchement, je suis vraiment pas épargné. T'as de ces idées, hein. Bon, alors là, c'est pas parce que j'ai trop bu, hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que je vais mettre le gobelet sur la tête. Ça a rien à voir. Donc on part comme ça. Voilà. Et il faut que tu te relèves. Et là. Allez. Est-ce qu'il va y arriver? Marie qui dit génial ce jeu. Ah. Voilà. Alors des défis, il y en a. Ah. 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 Ah.
C'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors après. Bon, ça va? Bon. T'as perdu deux fois quand même. Est-ce qu'on prend un coup? Parce que du non, coup, avec le gobelet. T'as perdu deux fois quand même. Moi, j'ai perdu deux fois. Je tiens à le dire. Hein, voilà. Ça sera mieux la prochaine fois. Enjeu du moment. Le Fada. Donc, le Fada, c'est deux petits cochonnets. Sous forme de dés. Donc on le joue à la place du cochonnet normal à la pétanque, donc ça c'est spécial pour l'été, même si le temps n'est pas avec nous pour le moment, j'espère bien que ce week-end, ouais, je vais pouvoir le sortir. Donc on lance le dé, et en fonction du symbole qui est écrit sur le dé, voilà. Il y a un petit défi. Il y a un petit défi qui change à chaque main. Donc là par exemple, ce symbole-là veut dire qu'il faut jouer à la lyonnaise, donc courir et lancer... en même temps. Lancer en même temps. Voilà. Okay. Donc, jouer à la pétanque, mais du coup à la lyonnaise. Voilà, à la lyonnaise. On va avoir aussi du petit symbole comme ça. Donc là, c'est la danse infernale. Se trimousser en jouant. Commence à danser lorsque tu entres dans le cercle et arrête-toi seulement quand la boule que tu as lancée s'est immobilisée. Bon, donc imaginez-vous. En train de jouer. Ben, c'est pas facile, hein. Mais voilà. Donc, bon, ça c'est une bonne partie de rigolade. Exactement, voilà, copains ou même avec des enfants. Moi, ce week-end, j'ai joué avec des enfants. Ils étaient tout heureux. On a joué à la tomate, les yeux fermés, sur la mauvaise main. Alors ma boîte est bien abîmée parce que je l'emmène partout avec moi. Ouais, ouais, mais il est testé et approuvé du coup. C'est ça qui est génial. Exactement, exactement. Et puis bah du coup pour terminer. Donc, mes deux jeux pour moi de l'été. Et pour ça, on va avoir besoin d'aide. Et là, j'ai prévu, du coup, deux super collègues qui vont venir jouer avec nous. Super. Parce qu'on peut jouer à ce jeu de 2 à 8 joueurs. Ok. Alors, du coup, les filles, vous êtes prêtes? Ah, mais c'est qu'il y a du monde derrière, en fait. J'ai des petits lutins qui arrivent. Mais c'est... On fait le ménage, du coup. Ah, mais d'accord. Voilà, du coup, on attend. Alors, il y a des visages qu'on connaît. Hein. Alors, on est dans une rue, mais ennuyante, amourée. On ne s'entend pas du tout entre collègues. Et hier, quand tu as partagé mon live, elles ont proposé de venir jouer avec nous. Eh ben, allons-y. Donc, je me suis dit que ça pouvait être au top. Après avoir joué dans la rue. Après avoir joué dans la rue samedi, on a avoué que samedi après-midi, le début d'après-midi était très calme. Et en fait, elle voulait tester. Moi, je vous le dis, j'aime pas perdre, hein, je triche. On soit bien d'accord. Tu peux pas tricher. Tu peux pas tricher. Donc là, du coup, le but, il est très simple, c'est de se débarrasser de ses cartes. Pour ça, hop. Ah, j'aurais dû faire la distribution avant. On m'aurait accusé de tricherie. Donc, alors. Chacun notre tour, on va retourner une carte. Ah oui, mais zut, je t'ai pas montré les cartes. C'est pas grave, j'improvise. Les cartes spéciales. Allez, on improvise. C'est pas grave. Sur le tas. Chacun notre tour, on va retourner une carte et va falloir dire les mots dans l'ordre. Donc, je suis la première, je vais dire taco. Elle est la deuxième, elle va dire chapeau. Le troisième, tu dis gâteau. Et si jamais, quand tu dis le mot, tu retournes la carte qui correspond au mot que tu viens de dire, on doit tous taper sur le tas du milieu. Le dernier ramasse le tas de cartes. Ok, allez, c'est parti, chichot là. Alors, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Dites-nous si vous êtes prêts, allez-y, likez, partagez, c'est maintenant. Et on dépasse un tout petit peu aujourd'hui. Allez, mais bon, allez, c'est pour la bonne cause, on s'amuse, ça fait du bien moral, c'est vendredi, c'est bientôt le week-end. Voilà. Allez, on y va. Par contre, t'as pas les trois cartes spéciales. C'est pas grave. Si le Whistiti sort, ouais. On doit tous faire comme ça. Ok, d'accord. Si le Ninja sort, on doit tous faire comme ça. Ok. Et si la licorne sort, on doit tous faire comme ça. Ok, ça marche. Celui qui se trompe a perdu. Ça a l'air si simple. Alors, ça a l'air qui si commence simple. Moi, je dis Edwige parce qu'elle nous fait un whisticorn. Ok. Allez, on y va. Le whisticorn. Chapeau. Gâteau. Voilà, ça t'est fait. T'es mal barré, hein. Tu ramasses, par contre. T'as bien dit gâteau, non? Ah non, t'avais dit cadeau. C'est moi qui ramasse. Exactement. Ah oui, d'accord. C'est comme ça. Bah, en fait, vous êtes unis contre moi, c'est ça? Non, parce que Emilie, elle a jamais joué encore. Ah, ok. Et lui, j'ai la boisson de qui commence. C'est moi qui... J'ai perdu, c'est moi qui commence. C'est toi, allez. Alors, du coup... Tu rattaques taco. Ah, ok. Taco. Bah non, c'est pas un taco. Bah non. Oui, mais c'est pas un taco, tu tapes si c'est un... Ah, tu tapes si c'est un... Eh oui. Ah, d'accord. Si tu tapes, si taco... il a envie de dire qu'il avait compris, en fait, mais non. Non. Donc c'est encore à toi. Il voulait aller plus vite, il voulait gagner du temps. Alors, taco, donc, taco, du coup. Voilà. Taco. Chapeau. Gâteau. Ah merde, c'était quoi? C'était une corne. Ah, j'avais dit, hein. Il a perdu. C'est encore moi qui ai perdu.
En fait, la partie, elle va être très très vite finie. On va pas t'en dépasser que ça, hein, finalement. Allez, à toi. Alors, du coup, taco. Voilà. Chapeau. Là, elle a dit chapeau, elle pose un chapeau. Elle pose un chapeau. Donc, tu tapes. Je vais avoir du mal à m'y faire, moi. Du coup, on recommence. Bah, du coup, là, voilà. Taco. Oui, Titi, attends. Ah, oui, ça va, il y a le... Ah, oui, c'est la carte de joker. C'est bah, moi, je prends la même à chaque fois. Ah, bah, ça va, ouais. Attends qu'ils se mettent dedans. Du coup, c'est pour toi, t'es encore dernier. Hein. Allez, taco. Oh ça y est. Ah, c'est Tommy bon. Est dans la place. Ça y est, j'y suis. Le réveil de Tommy. Chapeau. Mina. Voilà. Bon, du coup, vous avez vu, on s'amuse bien ici en voilà. Bleu-Puy, dans la boutique 3, 2, 1 jouets. Géraldine, ça fait bien plaisir. Tiens, approche-toi, Géraldine. Allez, merci aux copines d'être venues, ouais. Du coup, les voisines qui sont venues nous rejoindre. Et j'espère qu'on passera aussi les voir prochainement. Voilà, le message de rien. Exactement, le message est passé. Et je viendrai leur prêter main forte aussi. Bon, avant de terminer ce live, alors on a un petit peu dépassé, mais bon, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, c'est vendredi. Nous rappeler tes jours d'ouverture ici en Pleu-Puy. Du mardi au samedi, 9h midi, 14h30, 19h. Voilà. Ok. Les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, Facebook, un petit peu Instagram. J'avoue que je suis pas au point à fond, mais Facebook beaucoup. 3.2.1 jouets. Pareil pour Insta. Et puis le click and collect. Click and collect, voilà. Sur donc le là, site d'Atout Commerce. Ouais. Donc sur le site www.atout-commerce.fr, vous allez pouvoir retrouver toute une gamme de jouets. Tout à fait. Voilà, j'ai même fait des changements là récemment. Donc le taco chat. Alors le taco chat IL, donc ça c'est l'ancienne version que j'avais présentée à l'interview l'année dernière. Et là, cette année, qui vient de sortir il y a à peu près 2 semaines, le 3 juillet. Voilà. Taco, chapeau, gâteau, cadeau avec la licorne, le whisky. Bon, j'espère que vous serez meilleur que voilà. Moi, en tout cas. Le skijo doit être aussi, je crois, sur le site. Ouais. Oui, parce que tu avais dit que tu voulais en parler, mais tu l'as oublié. Non, mais je l'ai pas oublié. Voilà. Il est là, le skijo. Très bon jeu, je vous le conseille. Voilà, pareil, de 2 à 8 joueurs, c'est top. Et puis après, bah, je prends la carte à tout commerce et chaque cadeau, les cartes cadeaux. Mais c'est fini, oui. Alors, on passe dans le magasin, on devient tous des grands enfants, c'est ça. Hein, ça c'est clair. Bon, voilà. En tout cas, merci de nous avoir accueillis, bah, merci Géraldine. À merci à vous de nous suivre eh bien, ponctuellement, comme ça on se balade de commerce en commerce. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager à vos amis. Si vous voulez trouver eh bien, un jouet sympa, vous voulez un conseil, vous voulez passer un bon moment, bah, venez ici dans la boutique 3 de 1 jouet. Nous, on se retrouvera la semaine prochaine, mardi, on ira. Alors, on change d'univers, hein. On va aller faire des bouquets de fleurs. On sera chez l'artisan fleuriste d'Essaigne à Tarare. Pareil, même heure, même endroit sur notre page Facebook. Je vous souhaite un très bon week-end. Encore merci à Maud qui est l'autre côté de la caméra. Et puis, ben voilà, on va essayer de profiter du soleil. Allez, à bientôt. Bye bye. Salut, merci à tous. À bientôt.